40 adultes issus de toute la Moselle sont venus participer au stage du club Krav Maga de Katnum. Réunir autant de personnes pour un cours de self-défense est déjà un bel exploit pour cette discipline. On peut la résumer en trois mots, simplicité, rapidité, efficacité. Donc en fait, en Krav Maga, nous sommes de gros feignants. Moins on va dépenser l'énergie dans un but de défense, bah, plus facilement on pourra profiter de la moindre occasion pour nous enfuir. Il n'y a pas de honte à s'enfuir en Krav Maga du moment que ça nous permet de sauver notre peau. Vêtus sportivement et parés de protège-tibia, les adeptes sont séparés en deux groupes, l'un débutant et l'autre confirmé, pour permettre une progression individuelle plus efficace. Pour un individu qui cherche juste à savoir se défendre, que lui apporte le Krav Maga ? On a une approche sécuritaire et personnellement, c'est pas ce que je mets en avant. Je veux pas prôner la peur, la paranoïa dans la tête des gens. On a une addiction qui dit que le Krav Maga est paranoïaque, pas nous. Donc notre approche est beaucoup plus ludique et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher. C'est en fait l'adage joindre l'utile à l'agréable. On se fait plaisir, on s'amuse et en même temps on apprend à se défendre de manière efficace. Les fidèles qui fleurissent le village depuis de très 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 nombreuses années, c'est-à-dire 15 ans, 20 ans, voire 30 ans, sont là et on a toujours plaisir à les revoir. Ça fait quand même beaucoup de plaisir parce qu'on a quand même travaillé une bonne partie de l'année pour avoir ces jolies fleurs. C'est pas pour le prix, mais c'est par amour pour les fleurs et il faut les soigner. Qualité, quantité, originalité et propreté, tels sont les critères mis en avant par la commission environnement de la municipalité pour être lauréat du concours des maisons fleuries. Cette année, 54 Nomois ont été officiellement félicités en mairie pour leurs travaux de fleurissement à domicile. Pour une maison individuelle, je crois qu'il faut que le fleurissement soit harmonieux. C'est-à-dire qu'au niveau des différentes fenêtres, au niveau des balcons, on ait des ensembles fleuraux qui soient le plus harmonieux possible. Et je pense qu'il ne faut pas en mettre trop non plus, il faut mettre juste ce qu'il faut. Et puis bien sûr, si ce sont des pavillons, s'il y a aussi un parterre de fleurs devant, ça donne une bonne impression d'ensemble. Alors le conseil, c'est, je dirais, de la patience, de l'envie de faire, de l'envie de voir pousser quelque chose, hein, de créer aussi un jardin, des plantes. Nous faisons partie du championnat de France et cet après-midi, c'est une manche qui fait partie du championnat qui se joue sur 13 séries, 13 journées. C'est un très beau jeu, c'est mieux que la pelote. Seulement une chose, ça se perd beaucoup. On ne pratique plus tellement ici chez nous. Nous avons déjà essayé de faire une épreuve de skate. On avait à Malin, à Oudren. Au début, nous avons eu quelques joueurs, des jeunes. Ils sont venus quelques fois. Et ça a été ces fois, et puis ils ne sont plus venus. Ils ont dit que c'était intéressant, et il n'y a pas eu de suite. Alors nous sommes une vingtaine ici à Katnum. C'est presque tous des personnes âgées. Le plus âgé, il a 80. Et le plus jeune, il a 45 ans. Alors vous voyez là. Alors je me demande si dans quelques années, on pourrait toujours continuer à faire du skate chez nous. Parce que ça se pratique beaucoup en Alsace. La preuve, nous avons des Alsaciens qui sont venus. Ils sont, je pense, dans les 60. Nous avons beaucoup d'Allemands qui sont venus, des vraiment fanatiques, mais des très bons joueurs. Nous avons des Luxembourgeois et nous avons des Lorrains qui sont venus de Merton, de Metz. Alors, si vous voulez nous rejoindre, notre siège se trouve au Café de la Terrasse, à Katnum, en face de la pharmacie. Nous pratiquons tous les lundis. Deux séries, c'est-à-dire de 7h à 19h30 jusqu'à 23h.